Deutéronome 28, Deutéronome chapitre 28, les versets 1 à 16. Mais je vais lire justement le premier verset, deuxième verset aussi. Si tu obéis à la voix, et sœur Coralie, peux-tu lire pour nous aussi? Lire pour nous d'abord. Deutéronome 28, verset 1er 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his command, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nation on earth. Mm-hmm. All this blessing will come on you and accompany you, mm-hmm, if you obey the Lord your God. Si tu obéis à la voix de Dieu, de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, et ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, nous aimons bien et déclarer haut et fort les bénédictions que le Seigneur nous a données dans Deutéronome 28. La Bible dit, je suis la tête et non la queue, je suis premier et non dernier, tout le fruit de mes entrailles. Alors toutes ces choses, c'est vraiment bien, c'est vraiment agréable. Mais le Seigneur a présenté quelque chose de spécial que j'appelle the blessing activators. Blessing activators, c'est deux mots ça, c'est ça que nous parlons considérer aujourd'hui. C'est que si nous avons dit en français, par contre, s'il fait sens, s'il est correct, mais cependant, c'est comme les activateurs de la bénédiction. Qu'est-ce qui active la bénédiction dans nos vies? Certainement, le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le Seigneur, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant donc malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que quoi? La bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. C'est que nous comprenons que nous sommes bénis. Est-ce qu'on est là avec moi? Tu peux dire, est-ce que quelqu'un peut dire, je suis béni? Je suis béni. Parfait. Oui, tu es béni parce que Jésus a accompli à la croix tout ce qui est nécessaire pour que tu sois béni. La bénédiction, c'est une parole qui a été prononcée. C'est une déclaration solennelle qui a été faite. Oui, c'est bel et bien. Le Seigneur l'a fait, a tout fait pour nous. Mais cependant, pour voir la manifestation de la bénédiction de Dieu, il va falloir les activer. Est-ce que quelqu'un est là avec moi jusqu'à présent? Il va falloir faire quoi? Il va falloir les activer. La bénédiction est disponible, il faut l'activer. Si tu as une carte de crédit, il va falloir l'activer pour que la provision qui est dedans te soit disponible. Ce qu'on est là jusqu'à présent. C'est que tu veux voir la manifestation, tu veux voir la provision, mais tu n'actives pas ta carte. C'est impossible. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1er verset 8, il dit Josué, en fait, tout lieu que foulera le plan, les plantes de tes pieds, je te le donne en héritage. Mais le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1er verset 8, il dit la condition sine qua non pour que tu puisses voir la manifestation de toutes les promesses de Dieu, de toutes les bénédictions que Dieu a promis à Abraham, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir comment? Fidèlement. C'est alors que tu auras du succès et c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La condition pour que tu puisses réussir, en fait, l'activateur qui te permet de réussir, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir une connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Important, indispensable. Car le Seigneur avait beaucoup de bénédictions pour Josué. Beaucoup de bénédictions pour Israël. Mais le Seigneur a donné la condition pour que ces bénédictions soient activées dans nos vies. Mais l'Église aime tellement recevoir sans comprendre les principes. En fait, bien-aimés, tout ça, bon Dieu créé, l'établit avec principe pour que vous-même vous bénéficiez de vous. En d'autres termes,
aussi remet aussi longtemps que mon Dieu ka remet ou belli capable vle bénir pas gagner cap manifester si ou pas connaît principe qui pour faire que ou joindre li gen moun ki ta remet pour que yo prospérer nan travail yo. Mais la Bible parlait de principe de la diligence. Un monde qui paresseux pas qu'a réussi dans business. Est-ce que nous l'avons avec moi? Ça c'est un principe qui est établi. Monde qui travaille. Mais cependant, gen moun qui pas comprendre ça, qui comprend depuis l'Éternel fin dit la fête mais gen principe que établi qui pour faire que nous ouais manifestation de tout ça que l'Éternel dit. Maintenant, à nous considérer premièrement ça qui activé qui active bénédiction, c'est la connaissance et la conscience. En fait, m'a pas l'expliquer. La connaissance et la conscience de la vérité. La connaissance de la vérité et la conscience de la vérité. M'a pas là. You need to be conscious about the word of God. M'a pas l'expliquer, ça me voulait dire. La connaissance de la parole, c'est que juste avoir la connaissance de la parole, ça ne suffit pas. Il faut être conscient de ce que la parole dit. C'est que Livin fait que parole que ou juste tendel ou pas juste tendel, mais ou vin conscient de ça, ou vin ka approprié de ça que parole là li dit. En fait, la connaissance de la vérité est la clé du succès, la clé de la réussite. La paix, bon Dieu, avec vous. La connaissance de qui ça nous dit, de la vérité est la clé du succès et de la réussite. Et c'est peut-être ça, Satan combat li en pile. Le diable combat beaucoup. Là pour que nous ne comprenions pas la parole, nous n'ayons pas la connaissance de la parole. Pourquoi? Parce que le diable est le père du mensonge. Lorsque lui-même, c'est pas par mensonge lié, eh bien, puisque on a ignorance, eh bien, ou pas jamais qu'à bénéficier de rien. Le bon Dieu dit, ok, tu seras la tête et non la queue. Lui-même, lui venait dit, vous pensez que vous avez tête? Comment on a fait tête lorsque maman ou pas de jambes tête? Comment ou même ou a réussi lorsque maman pas réussi? Bon Dieu dit ou guéri, mais comment ou pral guéri lorsque maman te gagné telle maladie et ou même tout ligue en ensemble? Alors bien aimé, lorsqu'on finit de parole ça, comment ou même ou pral faire pour capable bénéficier de bénédiction? Automatiquement ou bloqué. L'ignorance bloque bénédiction. Est-ce que nous l'avons avec moi? Alors, maintenant, ça que vous avez besoin de faire, vous avez besoin de gagner connaissance de la parole. Connaissance de la parole, mais connaissance aussi de ton identité en Christ. Ma preuve, tu dois avoir là connaissance de quoi? De ton identité en Christ. La connaissance de ce que tu es en Christ, la connaissance de ce que tu as en Christ. Alors, dis-moi, mais pasteur, qui ça y est dans Jésus? L'important pour qu'on ait qui ça ou y est dans Jésus, pour que Satan papa ou menti. Bien, ou sent, ou tendez une voix qui dit, oh, qui dit, à cause de ça, maman, t'es fait, ou pas tout le monde rejeté, tout le monde pas besoin, et puis qu'on a certainement voix par les fonds dans tête, lui dit, ou pas jamais réussi, ou pas jamais réussi dans le travail, ou pas jamais marié, ou pas jamais kage petit. Lorsqu'on entend des paroles, ça, bon Dieu dit le bien. Mais à cause de voix sortant de là qui dit ou maudit ou accepter malédiction. Mais cependant, moun qui intelligent, moun qui connaît identité dans Christ, li dit yon bagay moun connaît, c'est que moun, alléluia, qui te maudit, moun qui te rejeté, c'est moun qui te sorti dans maman, dans papa. Mais moi-même, la Bible fait me comprendre, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, moi son nouvelle créature. M'pas qu'on si ou là avec moi. Et à cause moi son nouvelle créature, moun qui te coupable là, c'est pas lui qui l'a encore. Moun ou te connaît, c'est pas lui qui l'a encore. Moun qui te kon vivre dans mauvaise vie, c'est pas lui qui l'a encore. Moi pas accepter mensonge. La paix, bon Dieu, faire. En pile froid, c'est parce que pas qu'on la parole qui fait que accepter mensonge. Et la preuve que, ou pas qu'on la parole de Dieu, c'est lorsqu'on accepte inquiétude. C'est lorsqu'on accepte rejet. C'est lorsqu'on accepte tout ça, Satan, voyez, comme parole qui vraie. En fait, Satan t'a toujours testé ça. Lui essayer Adam. Li testé connaissance Adam. Là, il rencontré avec Adam, avec Ève, et puis il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Qui ça le fait? Li testé connaissance. Li testé qui ça connaît? De bon Dieu, qui ça connaît de yo-même?
m'a parlé qui te tourner dans Genèse pour capable faire comprendre comment Satan lui fait que lui bloquer monde pour pas jamais expérimenter bénédiction de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Regardons ensemble dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les habitants, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire que il mettait en question qui ça bon Dieu t'a dit. Ça veut dire parole bon Dieu, il mettait en doute. Parole bon Dieu, qui ça le vini pour le faire? Il vini pour le capable semer doute. Est-ce que nous là avec moi? Satan vini pour semer doute par rapport à ça. Adam t'es quoi? À par rapport à ça, Ève t'es quoi? Dieu a-t-il réellement dit? En fait, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Bon, fille a commencé à faire mentir depuis ici, là. Hein, de peur que nous ne mourions. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, maintenant, lui questionner l'identité, bon Dieu. Là, vous dites que qui sortait de bon Dieu, hein? En d'autres termes, l'Igétan dit, qui aime son bagaille, m'a pas quoi, bon Dieu, rien vrai. M'pa quoi ça bon Dieu dit de roi li pa alors ou pas content non voix qui dit comme ça non Marie ou pas mon vrai bon Dieu paraît mon vrai pasteur paraît mon vrai maman paraît mon vrai frère paraît mon vrai mais qui t'aime dire yon bagaille mais lorsque autant de qui n'importe voix ou grave toujours dit une seule parole même si maman papa t'a abandonné m connaît gon moun qui toujours et même li rele l'Éternel des armées lorsque kon parole bon Dieu Satan pa jamais ka bon menti et bénédiction le pape Jean qu'a volé. Lorsque Satan arrivait bon mentir, il volait bénédiction en même temps. Mais cependant, lorsque bon Dieu permet ou qu'à comprendre parole assez ou comprendre identité et identité bon Dieu, certainement ou pas perdu. Et puis alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme vous connaissez le bien et le mal et tout ça. Et vous serez comme des dieux. Ils seront comme des dieux. Mais la Bible dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire finalement, Adam et Ève étaient déjà des dieux. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient des dieux. Est-ce que là avec moi? Ça dit tout ça que bon Dieu t'a fait, il était pas la capacité pour le faire. Mais qui ça, Satan vient, il dit non. C'est lorsqu'on mange fouille, finalement, ou après le vin coup Dieu. Pourtant, il y a déjà ça. Combien de fois Satan bon menti? Il dit qu'on y a, c'est lorsque on tombe couché à droite à gauche, c'est là ça on a de joie. Alors que on rend compte que Zamou n'a pas de joie. Famille, il n'y a pas de joie. Lorsque on tombe, elle fait ça. Bien aimé, que bon Dieu ouvre les yeux pour qu'on comprenne la parole là, pour pas prendre un mensonge encore là, Père bon Dieu avec moi. Alléluia, dit vive la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu dit, il faut lire la parole. Il faut comment? Il faut lire la parole. Chrétien, nous ne pouvons pas lire la parole. Chrétien, nous ne pouvons pas lire. Il faut non seulement lire la parole, écouter la parole. Lorsque c'est le moment pour tendre des paroles, il y a 50 000 programmes, 50 000 qui passent dans la tête. Et puis, Satan tout profiter de l'occasion pour qu'il y ait un blocage pour que tout ça qui dit, on ne pas comprendre. Parce que la Bible dit quand la parole est prêchée, quand la parole est semée, et puis ou pas comprendre, eh bien Satan vient voler même petit sac qui était déposé. Alors c'est comme ça que l'y procéder. C'est que il va falloir connaître l'identité, ton identité, l'identité de Dieu et ton identité. Ou doit connaître que m'a dit yon bagay ou doit toujours connaître de bon Dieu. Notre Dieu, Jéhovah, c'est ça, mot ça que nous relais pater. Pater veut dire source. En fait, nous devons connaître que bon Dieu, c'est source de toute bonne chose. Est-ce qu'on l'a avec moi? Dieu, c'est source de toute
bonne chose. Tout ça qui beaucoup besoin, c'est dans mon Dieu. Est-ce que nous l'accord avec moi? Ça, on doit connaître de mon Dieu. C'est que dans pile bagaille, vous pensez que c'est l'argent pour baoul, mais c'est bon Dieu qui a bon bagaille. Est-ce que nous l'avec moi? Combien de monde qui gagne pile l'argent, même pas bon bagaille? Combien de monde qui gagne l'argent, mais pas qui gagne bon mari? Combien de monde qui gagne pile l'argent, qui pas gagne bon madame? Alléluia. Moi, je crois que c'est bon Dieu qui compte bail, et bon Dieu toujours gagne la caille pour le bail bon monde, bon bagaille. Est-ce que nous l'a frappé, mais pour bon Dieu qui toujours bail bon bagaille? Dieu est la source. En pile fois ou fait travail ou avine sous sous. Mais mon Dieu pas de jambes programmer travail ou pour le sous sous. Thank you so much. Bon Dieu t'es très programmé pour que travail là c'est yon nan ressource que le barou. Est-ce que nous là? Travail ou doué yon, qui ça nous dit ou yon? Ressource. Chèque ou recevoir les doué yon? Ressource. Ça veut dire que bon Dieu qui a utilisé travail là? Ou bien qui a utilisé un monde tout? Ou pas qu'on ou regretter comme ça et puis qu'on a gomme qui dit bon Dieu met sous kem pour me fonger ça veut. Nous là bon m'a pas dit l'autre bagarre qui grave. Est-ce qu'on pas qu'on est que ou capable consorité et puis qu'on a et ou gon situation passé et puis gon l'argent déposé de manière surnaturelle. Sur moi ça déjà m'a qu'on est pour même mais bon Dieu fait déjà. M'a prendre mais faut comprendre yon bagaille. Lorsque bon Dieu remet moun pal, l'ap marche avec moun pal, gen bagay ou pa konnen comment le fait, mais l'Éternel ka fèl. Depuis ou fait de l'Éternel sous, l'ap met toute ressource disponible pour tout la paix, bon Dieu avec. En pile fois, ou courir des ressources yo, ou courir de l'argent, et puis ou finir finalement on nous compte que l'argent c'est pas lik sous là, ou courir de tout bagay, ou est que c'est pas yon sous là, mais sous là c'est bon Dieu que lié. A vrai dire, le bon Dieu ba ou yon ressource. Finalement, il vient prendre place, bon Dieu qui s'est sous. Alors, moi, je souhaite que tout le monde comprenne yon bagay. Lorsque bon Dieu ba ou yon travail, c'est pour toujours quitter le bon Dieu en premier. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce que yon gen travail. Il y a des gens qui ne viennent pas à la résidence, et bien yon pas de temps encore pour bon Dieu parce que yon te gen l'école pour yon aller. Il y a des gens qui ne viennent pas à venir encore, c'est que des monde c'est fortal nan djem nan c'est djem nan qui fait que ou pas de bon temps pour te venir bien aimé fais attention avec bénédiction que bon Dieu va barou l'œil va bénir c'est pour apprendre honorer et respecter bon Dieu c'est sous là que lié en fait moi t'a remet pour comprendre que identité bon Dieu ou doit connaître ou doit connaître celui que Jéhovah Rapha Dieu guérisseur là ou faire confiance à docteur plus que faire confiance à bon Dieu. Ou faire confiance avec un Tylenol plus qu'on fait confiance à mon Dieu. En d'autres termes, si vous te faites confiance à mon Dieu, ou t'as prié pour que mon Dieu guérisse, avant de prendre Tylenol, tout est-ce que quelqu'un comprend ça, me le dire. En pile fois, ou remplacer créature là, ou remplacer créature là par créature là qui c'est une idolâtrie. Nous peut-être ça nous t'a remis que tout le monde comprenne que bon Dieu, lui doit toujours en premier. Identité en tant que croyant, on doit connaître. Identité en tant que croyant, tu es une nouvelle créature. Ou vient faire partie de une nouvelle race. C'est ça que on doit connaître. En fait, le Satan a reproché pour sortir faire qui mal, pour dire monde qui devait faire ça qui mal là, il mourit déjà. Monde qui était en fait en pile fois ou capable conseil de sentiments cap monter pour dire que pour bon on sait de sentiments de honte pour sortir faire qui mal dans passé. Mais moun ki te fait ça qui mal là. Gonjou que te mouri avec Christ. Et moun ki ressuscité a, c'est pas même moun nan ki là encore non. La Bible dit les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Mais s'il est devenu nouvelle, ou pas qu'à prendre passé encore pour porter dans présent pour dire c'est moi même qui coupable et gon l'autre bagaille m'ta remet pour comprendre, c'est que la Bible fait nous comprendre que Jésus te prend malheur, il te prend souffrance nous pour nous-mêmes nous pas souffrir. C'est que lorsqu'on voit à venir, on souffrance venir pour dire non écoutez, Jésus prend déjà pas gain de monde qui doit payer pour lui. Alors moi t'armer pour comprendre en tant que croyant que Jésus souffrit pour vous déjà. Vous devez comprendre nature, où tu es enfant de Dieu. Tu as la nature de Dieu, tu es né de Dieu. En fait, la Bible dit tu es nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Justifié. Le Satan vient pour dire que, eh bien, ou condamné. C'est pour dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de la vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Gen bagay que wap wè. L'autre moun ap vive ou pas doit vivre li lò konn la parole. Lò konn la parole gen bagay ou pas doit accepter encore. Gen bagay Satan vin di ou a di ou ka di a un moun ki pa konn la parole. Mais moi même moi konn ça la Bible dit de moi même. Moi son rachet
sainteté, moi son nation sainte, moi son peuple acquis, moi son sacerdoce royal. C'est ça l'Éternel dit. M'pa konn pou yon lot moun, mais moi-même, c'est une nouvelle créature. Moi tout neuf, yeux tout neuf, tête moi tout neuf, bouche moi tout neuf. Bouche qui te konn di bêtise là et pas li là encore. La paix mon Dieu avec, parce qu'on kawel différent vrai, parce qu'elle gen douceur qu'on y a. Moun qui te méchant, il te ka rale souliers là et puis il frappe dans figure mon. Mais nouvelle créature pas qu'à faire ça encore. Li gen douceur, li gen tempérance, li gen l'amour, li respecte moun. La paix mon Dieu avec, la paix mon Dieu avec. Nouvelle créature là, gon l'autre façon le parler, gon l'autre façon le penser, gon l'autre façon le vivre, gon l'autre façon le marcher. Ça c'est nouvelle créature là. Et c'est ça l'Éternel dit que oui. En pile fois ou tellement apprécié sortir avant ou envie reconnecter avec elle. Mais s'il était bon, Jésus t'a quitté là-dedans. C'est parce que Jésus voulait pour libérer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. C'est pour être libre. Ou pas capable esclave péché encore. Ou pas capable esclave colère encore. Ou pas capable esclave amertume encore. Ou pas capable esclave manque de pardon encore. Ça, on ne peut pas ou encore parce que nous sommes une nouvelle créature. Vous devez connaître l'héritage dans Christ. Maintenant, bénédiction Abraham disponible. Tout le monde. Disponible pour tout le monde qui croit. Mais cependant, il va falloir. Pourquoi? En fait, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Finalement, toute bagarre là, c'est la parole là. Même la foi sortit dans la parole là. Faut qu'on koto, faut qu'on bagarre ou te quoi la donne. Faut qu'on parole d'abord que vous recevez et vous croyez dans la parole là. Bien aimé chrétien, il a besoin de prendre la parole. Et connaît la parole pour capable grandir avec bon Dieu. Deuxième activateur de bénédiction, la Bible parle nous de la foi. La Bible parle de qui ça nous dit? De la foi. Hébreux chapitre 10, en fait chapitre 6, si nous t'a considéré. Hébreux chapitre 6, nous, verset 11-12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que nous ne relâchions point et que nous imitions ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles, mais vont être réclamées par tous ceux qui ont la foi. C'est que tout le monde, en fait, est-ce que tout le monde qui a entré dans Walmart et sorti avec un panier rempli? Hein? Est-ce que tout le monde qui a sorti dans Walmart avec un panier rempli? Hein? On nous dit non. Parce que moun qui ka sorti dans Walmart à panier rempli, c'est moun qui a assez l'argent pour ça que li vin acheter. Est-ce que nous l'avec moi? Ça veut dire que fort gen l'argent pour ça. Lorsque yon moun dit a réclamer bénédiction mon Dieu pour capable bénéficier le vrai, recevoir le vrai, ou doit gagner une dimension de foi. La paix mon Dieu a fait. La Bible fait nous comprendre que sans la foi, il était possible d'être agréable à Dieu. M'a pral di ou yon bagay nan Somme 78 verset 17 à 22, il dit mais il continuait à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu, ils disent: Dieu peut-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et les eaux ont coulé et les torrents se sont répandus. Pourrait-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? Regardez bien, l'Éternel entendit et fut irrité et un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'enflamma contre Israël. Regardez pourquoi? Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent point confiance dans son secours. Lorsque bon Dieu a fait route avec yon moun, dès pour commencer faire bon Dieu, dès pour commencer pas faire bon Dieu confiance, bon Dieu commence à fâcher contre vous-même. M'a pral dire yon bagay, seule façon pour faire bon Dieu entrer dans situation, c'est la foi que lié. En pile fois, ou même ou dit Seigneur, ou te dit wap faire, bon Dieu dit, eh bien, active foi, ou quoi de foi qui active?
Quand foi ou gagne ça que moi dire en pile fois foi que ou gagne li pral mis à l'épreuve lorsque li mis à l'épreuve à cause d'une situation privée pour montrer qu'elle pas privée c'est pour toujours gagne persévérance pour dire non ça bon de te dire à moi qu'elle elle a fait m'attend jusqu'à ce qu'elle fait li capable fait jambe veut là l'homme veut là mais la fête quand même alors yo t'ai tenté mon Dieu yo t'ai parlé mal yo dit est-ce que mon Dieu capable ba yo manger dans désert là il t'aime dire pas gon situation ko kala dans mon Dieu pas capable prendre soin li pas capable ba provision parce que c'est lui même qui source ça li source de bonheur li source Jésus est la source du bonheur dans la joie et la tristesse elle est le repos du cœur fais briller sur moi ta face Jésus agneau de Dieu maintenant nous t'arrêmer pour comprendre regardez une chose le Jésus t'a parlé dans Jean chapitre 11 verset 40 il dit ne t'ai-je pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu crois tu verras la gloire de Dieu eh bien en fait pas rien bon Dieu t'a pas le faire si pas une foi qui activée la foi en fait en d'autres termes l'incrédulité bloquer toute bénédiction bon Dieu gain pour la vie. En pile fois demander pour qui ça bon Dieu pas faire bénédiction manifester. Bon Dieu dit incrédulité. Incrédulité, incrédulité. Alors, est-ce que grand monde qui dans salle là qui va dire ouais, moi voulais faire bon Dieu confiance même j'Abraham t'ai fait confiance. Même si me pas ouais ça bon Dieu pour le faire, me pas ouais comment le pour le faire, me pas connu qui le pour le faire, même faire bon Dieu confiance ça. Et ça me remet à mon Dieu, c'est que même s'il pas fait le jodi a, il pas fait le demain, pas bon monde qui ca empêcher le faire. Et d'ailleurs l'elle pour le décider, on pas ouvrir on porte, pièce monde pas ca fermer. L'elle pour décider fermer on porte, pièce monde pas ca ouvrir. Alors, n'a pas continuer pour nous dire que dans Hébreux 4 verset 5 et 6, il dit et ici encore, ils n'en retourneront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés. À cause de quoi? À cause de leur désobéissance. Et ça va le pousser nous à considérer un troisième élément qui a fait que bénédiction approuve à activer ou désactiver. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on décide de désobéir, il dit, il n'entre pas dans le repos, en d'autres termes, il n'y a pas entré dans ta promesse là à cause de désobéissance. Combien de monde qui parle de promesse, bon Dieu, parce que désobéissant? L'Éternel dit, mais qui s'est pour faire? Ou dit, non, je ne peux pas faire. Majorité de monde pas entré dans Canaan. Je ne parle pas pour qui ça? Parce que yo pas respecté serviteur bon Dieu. M'a prédit les jeunes là. En pile moun pas expérimenté. Yo pas entré dans terre promise pour qui ça? Yo pas respecté serviteur bon Dieu. Le Moïse vini, li dit mais qui ça l'Éternel dit? Yo dit non. Bon Dieu qui a parlé avec nous tout. Est-ce que vous voyez ça? Li a dit bon Dieu qui a parlé, même Jean mon Dieu qui a parlé avant là, bon Dieu qui a parlé avec nous tout. C'est que quelquefois gen moun qui pensait parce que au plus grand passé, eh bien, yo capable, yo même défier soi dit. Mais remarquez que Myriam avec Aaron, c'était frère et sœur Moïse. Yo dit Moïse, si bon Dieu capable avoir, il capable avec nous tout. Bon Dieu dit écoutez, nous plus grand que Moïse c'est vrai. Nous peut-être plus connaissance que Moïse c'est vrai. Mais c'est Moïse moi choisi. La paix bon Dieu avec. Le c'est lui choisi, c'est lui même moi ma parole pour capable dire à peuple là. Il dit à cause de insolence ça, restez pendant 7 jours hors du camp. M'a frappé nous avec lèpre n'a apprendre pour nous connaître. Des malédictions qui privé sur monde parce que yo pas apprendre respecter monde que bon Dieu établi pour dire qui ça pour faire. Parce que Moïse découvrit tout monde qui sorti en Égypte, yo tout mouri dans désert. Pour qui ça? Désobéissance. Parce que là Moïse dit non, mais qui ça bon Dieu dit pour nous faire? Yo dit non non moi même pas faire ça, moi plutôt tourner en Égypte. Yo rebelle. La rébellion, c'est ça qui fait en pile moun pawe la bénédiction d'Abraham. Parce que le bon Dieu dit, mais comment pour ça fait? À vrai dire, gen moun ki tap tande bon Dieu, ici on te wè, on gros voix descend. Et puis il dit, Sœur Rachel, moi mando, pour qu'a fait, yon tant de jeunes pour moi, qu'elle tape tellement sauté.
C'est Rachel Tom dit, monsieur, pasteur fait mission, allez pour moi tout de suite, m'attendez. C'est ça qui est arrivé sous montagne là. Lorsque bon Dieu descend, et puis qu'on y a présence, il y a gros tonnerre qui a grondé. Et puis, il dit, Moïse, tant pis, s'il vous plaît, fais mission, allez, nous pas qu'à supporter, allez, nous terrifier par ça. Eh bien, fais bon Dieu, allez, n'a pas obéi tout ce dit. Bon Dieu seulement déplacé, chaque sa Moïse dit, yo, rebelle. Alors, nous finissons par rendre nous compte bien aimé que chrétien prend le besoin apprendre tendez le bon Dieu parler. Nous allons samedi là. Apprendre tendez le parler et obéir. La Bible dit obéir quoi c'est comme ça pour nous faire. Pour nous content dans Jésus, c'est pour nous obéir quoi. Grand pile monde cap misérable parce que pas veut obéir à rien. Est-ce que là avec moi? Pour qui ça, nous te, peuple a te besoin de mourir lorsque bon Dieu te gonté à promise pour yo. Bon Dieu te promet des choses extraordinaires à ou même ou pas jamais moi yo. Lorsque yo dit, mais comment de nos jours chrétiens dit, bon, non qu'on y a, si bon Dieu dit, moun pa doué nan adultère, moun pa doué nan fornication, yo trouve même verset biblique pour justifier que yo gen droit pour faire. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, bon, écoutez, moi me parer mes nègres encore m'a juste quitté and then qu'on y a toute bagarre à correct. Non, fais attention hein. C'est que et ben dans toute condition ou capable faire ça ou soit pense au café parce que bon Dieu il y a un principe qui est établi. M'a senti pour me parler sur affaire mariage pendant m'a dit ça là, qu'il aime dire yon bagaille bien-aimé, seule condition Jésus bail pour que yon mariage ka dissout lorsque il y a cas de fidélité. Est-ce que quelqu'un là avec moi? Matthieu 19 dit depuis que cas infidélité eh bien li vin fait que ça moun parce que te gon promesse qui t'est faite li dit et pour m'a renoncer à tout autre homme ou toute autre femme et aussi longtemps que wap vive tant que nous vivrons les deux. Maintenant si moun nan tombe dans histoire avec une autre femme automatiquement li ran contrat ou alliance là obsolète. M'a expliquer un bagage c'est que si me fait entente avec moun sa là moi dit à chaque mois m'a payer yo. Depuis que je commence par payer, yo, automatiquement, yo gen droit pour yo faire qui ça? Yo annuler le contrat. Elle dit fidélité à un contrat assure longévité. Est-ce que vous avec moi? Ça dit depuis que je fidélité dans le contrat, automatiquement, le contrat est écrasé. Ah, mais qu'on avec moi. Lorsqu'on finit faire alliance avec mon Dieu, tout, c'est peut-être ça grand pile monde qui finit faire alliance avec mon Dieu qui prend l'enfer. Parce qu'on connaît des pauvres qui finissent faire alliance, tout le bagage finit. De pour faire alliance, respecter alliance là. Bon Dieu, c'est un Dieu d'alliance. L'a respecté toute sa fin dit. Depuis le dit, l'a respecté. Mais ou même, ou te fin faire alliance avec Jésus, ou dit ou après non ça tout l'autre Dieu, et puis finalement, dans toute histoire, ou dans toute ta droite à gauche, et vous pensez qu'on ou style rete dans alliance. Non, alliance l'a brisé à cause d'infidélité. Qui te parle soit fait mariage. Lorsque bon Dieu établit le principe mariage, il va demander conseil. L'elle t'a établi le principe pour mariage, il va dans le gouvernement pour te demander ça au penser. Ça veut que ce n'est pas le gouvernement qui détermine comment le mariage doit fonctionner, c'est l'éternel. Parce que à l'autre côté, ils ont annulé un papier que ont été barou. Pas vle dit mariage la crasé. Ah, ma prédile. Parce que ou t'allé dans le centre-ville, yo te bon en papier ou dit ou vle annuler, yo ka annuler, mais l'on te campé là ou te dit ou te vle nan bon temps ou nan mauvais temps ou fin bay là ou pas qu'on al kote bon Dieu pour aller annuler ça. Ah, maintenant, puis bon, amen, moi ici. Ma prédile, lorsque tu dis, ok, je te prends comme époux pour vivre avec lui dans les bons, dans les mauvais jours, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que quoi? La mort nous sépare selon la sainte ordonnance de Dieu. J'en fais le serment. Est-ce que nous, là, avec moi, t'es un serment que t'es fait? Nous d'accord avec nous jusqu'à présent. Mais qui s'est passé avec ce serment que fait là? Hein?
pas jouer avec moi. Gon serment te fait là, gagner yon saut et qui t'aime dire moi-même, m'lè m'a fait mariage moins dit de façon. Yo souvent dit pour capable dire que en fait par le pouvoir qui me sont conférés, par les pouvoirs qui me sont conférés par la province de Québec, je vous déclare mariée femme. Moi-même avant me dit ça, me dit par l'autorité que je reçu du royaume des cieux pour exercer ce ministère. Et mais après ça me dit gouvernement ici là tout, parce que moi-même moi représenter l'Éternel des armées, as a matter of fact, là où signé, c'est pas devant mon signé, c'est devant l'Éternel. Sauf l'écrasé mariage là, viens camper devant mon Dieu pour dire what annulé. Et s'il d'accord annulé, là annulé. Mais s'il pas d'accord, mon sous la terre qu'a annulé, que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Si pas qu'a marié, pas marié. Sous pas qu'a signé, pas signé. Mais sous signé, respectez-la. Sous signé, respectez-la. Les cas difficiles, la prière. S'il est difficile, gêné. Do something. Bat ou fin signé. C'est comme ça, ça fait. Ah, moi-même, pas senti m'arrêter. M'a dit, bah, qui bagaille ça? Fais attention, on va aller dans l'enfer. Hein? Parce que tout le monde comprend, c'est facile. Font-ils brûler mon pour en cause. Bien même t'armer pour nous comprendre, il y a un secret. Par rapport à bon Dieu, tout principe bon Dieu établi, il établi pour bonheur nous. Tout ça, ouais, bon Dieu établi net, c'est pour nous vivre plus bien. S'il mettait principe dans le mariage, respecte le principe de mariage. Or, je ne peux pas obéir à mon garçon parce que moi-même, j'ai l'argent, tout, je vais faire ça. Mais c'est vous qui avez établi le mariage là. Ou bien faire forme mariage pas. Et puis, pas venir ici, l'offre mariage pas, vous voulez faire. Parce que mariage pas là, il y a une formule pas. Mais l'offre vient là, il y a une formule. Hein, nous comprenons pas ça. Il y a des gens qui regardent ma mauvaise yeux. Je pas besoin de regarder ma pièce mauvaise yeux. Parce que, il y a une formule mariage fait. Les fêtes, mariage fait pour femmes qui prêtent pour soumise, qui prêtent pour soumettre. Si vous n'êtes pas prêt pour soumettre, pas marié. Si vous n'êtes pas obéi à madame, non, nous n'avons pas besoin de commencer à parler pour homme parce que moi-même, je parle quand je me sens que je voulais parler. La paix, bon Dieu, avec nous. Est-ce qu'il est là avec moi? Vous comprenez parce que mesdames, toujours avez toujours voulu parler sur garçon. Mais ma bras, font camper tout pour me parler à garçon, yo, quand même. Vous entendez? Mais c'est là où content. Il me dit un bagaille. Depuis ou fin marié son garçon ou fin marié. Ou pas cap tomber il dit l'autre fille ou elle belle ou elle ceci. Ça c'est vagabond qui fait bagaille comme ça. Est-ce que là avec moi madame ou pas jambe belle mais c'est l'autre fille belle. Son vagabond yé, parce que moun qui chrétien c'est pour apprendre honorer ça au gagner. Sauf une entente pour l'IA, ou dit ou ap chéril. Et sou elle pas belle, c'est ou gâtel, la paix, mon Dieu, avec. C'est ou vin faire l'aide, à cause ou bal trop problème, ou faire virer tourner la gade, téléphone ou, la fait li font travail CIA, li pas CIA, la psyveille la journée, la nuit, sous tout téléphone ou, la psyve SMS, la gade tout bagay, vagabond, qui fait bagay ça. L'on bon chrétien, ou honnête, madame, met gade téléphone, nan pas jouer, jouer nan rien. Père mon Dieu avec, li pa ka joine photo l'autre fille, li pa ka joine texte l'autre fille, li pa ka joine ou camper à parler, à prendre plaisir avec l'autre fille, parce que li pa fait comme ça, ou font alliance déjà. Par bon principe mariage la fête, toute bagaille net, bon Dieu établi. Ça qui fait moun misérable, parce que principe yo pas respecté. Vous comprenez? Bon, ma bral dit un bagaille. Lorsque bon Dieu finit établi mariage, ni pour homme ni pour femme, li fait pour agréable, li fait pour comme si pour vivre avec joie. Vous comprenez? De pour pas gen joie dans mariage, grand pile principe qui violé. Nous entendez comment? Nous comprenons qui ça qui fait mariage pas gen joie, principe yo violé. En d'autres termes, souvle, mariage a fonctionné bien, respecter principe. Est-ce que nous l'avons avec moi? Souvelez que vous avez des ordres de l'église là. Fait on l'autre monde vin pasteur sans que bon Dieu pas ordonné le comme ça. Des ordres faites. Vous comprenez? Ça que te fait des ordres. Tout le monde, à quand, d'attendre, monsieur au campé, vous dit c'est vous-même qui avez commandé.
automatiquement bon Dieu obligé faire fond terre pour fils de Corée pour tout monsieur ça yo plonger dans l'abîme parce que pas qu'a gain des ordres dans Israël. Le bon Dieu établi une hiérarchie, c'est pour tout monde respecter hiérarchie. Et souvle c'est pour un garçon allemand de bon Dieu capacité pour le capable ben nous pour qu'un garçon. Sou pas garçon, rete en place fille. Est-ce que tout le monde comprend ça? Gen fit pas remen ça non? C'est hein? Non, m'attend de nous. Bon, alors, il me dit un bagaille. Ou connaît pour qui ça, nous avons toujours misérable. Parce que chaque fois, nous tendons ça qui est bon, qui pour faire nous corriger, à nous rebeller contre lui. Vous comprenez? L'entendez. C'est que là, nous attendons. Ou connaît qui ça qui doit là? C'est que nous attendons qu'il en a parlé de l'autre sexe là. Tant qu'on a parlé de garçon, garçon attend qu'il en a parlé de fille. Et pas ça pour besoin. C'est pour besoin quoi qui soit fait qui mal pour corriger. Comment pour bien pour vivre bien sur la terre. Est-ce que nous là? Maintenant, nous continuons pour nous dire que premier principe bon Dieu établi, c'est connaître la connaissance. Connaissance de loyaux. Connaissance de qui ça pour faire. Dans chaque domaine, mon Dieu mettait loi. Est-ce que nous l'avons avec moi? Sous besoin de bonne santé, mon Dieu mettait loi. Et c'est peut-être ça tout de suite. Peut-être moins chaud, me dit bon, finalement, je vais faire un bagage parce que longtemps, dès qu'on a le fait sport, je ne vais pas faire ça encore. Je me dis bon, ok, je vais le dégager. Et c'est que même si je suis occupé, pour me prendre santé, pour sérieux. Est-ce que vous l'avez avec moi? Parce que son principe lié. Ouvrez pour une bonne santé. Mais si vous pas traité, santé, bon Dieu, bah, ou bien. C'est que vous êtes malade, pas vrai? Bon, ou voulez pour mariage fonctionner bien, mais si vous ne traitez pas le mariage là bien, est-ce que la fonctionne bien? Je vais dire pour cultiver ça, bon Dieu, baroua. Avant de dire, principe n'est pas respecté. Au contraire, il y a des gens qui ne veulent pas respecter le principe qui fait mariage fonctionner, ils veulent prier plutôt. Vous pensez que ça a un résultat? En pile, mariage, pas de résultat, ce n'est pas parce que pas la prière manque. Il manque respect pour la parole. Il faut connaître comment le mariage fonctionne. C'est que si vous voulez gagner la paix, c'est vous pour faire la paix en premier. À un moment, lorsque je fais fin de mariage à madame, je me dis, à vrai dire, de temps en temps, je ne suis pas trop aimé quelque façon madame me comporter. Et puis je me dis, Seigneur, mais finalement, je me bouque avec façon ça. Je me dis, madame, moi ça déjà, elle ne pas corriger. Moi, je me dis, mais pour qui ça, vous ne pouvez pas faire mieux plutôt. Mais qui ça me fait mieux? C'est lui qui fait le mal. Et puis il dit, non. Fais le bien chaque jour. Et puis qu'on y a c'est une semence qu'on semé. Lui-même l'a juste suivi, l'a juste ouais, j'en fais là et puis le copier et il fait le même genre avec. Tout mari qui l'a sauvé les mariages ou fonctionnait bien, fait le bien. Ouvre les filles à la prière, juste prier. Ouvre les filles à remer, juste remer. Il pas besoin remer lui-même, mais ou même remer. Est-ce que nous l'avec moi? Et ouvre pour le traiter bien, juste traiter le bien ou même. Est-ce que nous entendez ça? Vous comprenez? Ouvre pour le respecter, il parle les lettres, c'est vrai, ou même ou juste montrer le respect. Ou ap saisi pour voir comment le mariage fonctionne bien. Ou après finalement, fille acte ka joure ou là, la senti le gêné pour ta joure qu'on y a. Avec façon qu'on traite là. Est-ce que nous l'avons avec moi? Parce que bon façon, bagay yo fait, l'on apprend faire le bien. Et puis depuis que je commence à apprendre faire le bien, mon Dieu dit non. Et pour être tranquillement, madame qu'on fait mauvais gens et puis pas fait mauvais gens encore. Vous comprenez? Et puis de temps en temps, ou elle a pas amélioré, elle a pas amélioré, elle a pas amélioré. C'est le petit problème nous connaissons de temps en temps, ça c'est pour faire la prière. Mais de temps en temps, tout, il dit, je me fatigue, je me baille, c'est ce que. Et puis, on a dit, dégage-moi la prière, demoiselle. Vous comprenez? Qui aime nous, ça c'est responsabilité pour m'assurer, parce que c'est un fils qui n'a pas la prière. Pour combattre le toujours gagné, il doit toujours appeler la prière. C'est-à-dire que ça, lui-même, moi, toujours tendé, depuis que je me tendais, soit le souligne, ou bien la prière, puis le cagou, et puis je me disais, non, non, et par contre, ça prend la prière à faire, vous comprenez? Ça, lui-même, là, un garçon doit faire travail, et tout. Vous comprenez? Et on fille doit quitter le garçon en fait travail. Parce que, faut que nous parlions avant pour le dire, non, 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 nous pas faire le bien, là. Faut que nous avancions dans la vie, faut que nous soyons la prière, faut nous soyons. Et faut que le garçon, en tout, compte ça pour le faire tout. Il y a des garçons qui sont là, puis le bon, à nous avancer. C'est que nous sommes dit que ça qui active la bénédiction, c'est loi, bon Dieu, que vous devez connaître. Principe que vous devez connaître. Deuxièmement, c'est qui ça nous te dit? C'est quoi pour quoi dans ça, bon Dieu dit. C'est, et troisièmement, c'est obéir pour obéir avec ça,
bon Dieu mandé pour faire. Pendant que n'a avancé pour nous terminer. Découvrir bon Dieu dit la fait nous premier, nous pas jamais dernier, mais découvrir un principe. Et il y a des gens qui dit OK, m'a réussi dans toute entreprise, moi dans tout ça me fait, mais gain principe, il dit obéir à nous Deutéronome en fait, si n'a pour aller dans Genèse chapitre 22. Gardez bien, attendez oui. Genèse 22 verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, va dans le pays Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alors, bon Dieu dit, Abraham, écoutez, si puisqu'on dit ou même, moi-même, m'a demandé ou yon bagay. En pile fois, bon Dieu a regardé qui sort pour le faire, le passer ou yon l'ode. Bon Dieu, connaît que remel le ou obéit à loi. Car la Bible dit l'amour de Dieu est en fait. Et en fait, Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire l'amour de Dieu, le bon Dieu, bon Dieu connaît que remel lorsque ou respectez commandement lio. Maintenant, l'Éternel dit à Abraham, souris même vrai, mes petits toits offrim-les. Bien-aimés sont seuls, ce n'est pas ni deux ni trois. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas offrir un morceau. Mais nous ne pouvons pas offrir un morceau, c'est un petit qui gagne. Mais découvrir ce qui arrive. Nous ne pouvons prendre toute l'histoire vers Genèse 22, verset 15. Il dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Parce que tu n'as pas refusé ton unique fils, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Regardez bien, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Bénédiction, mon Dieu, relâchée lorsque moun apprend obéir à mon Dieu. Ou te doit tout le temps apchita côté enseignement à fait pour attendre qui ça ou doit apprendre comme principe pour obéir. Lorsqu'on est plus, et puis on obéit plus, ou après plus manifestation de gloire à mon Dieu dans la vie. Alors, moi, encourage, bien-aimé, ou même cap tende matin. Abraham pas tab jam ouais manifestation de gloire bon Dieu s'il pas apprendre obéir. L'Éternel dit parce que tu as fait cela. Gien bagay ou fait bon t'a dit parce que tu as fait cela. Bon bon obéir à parole bon Dieu ou pas tab obéir attendez même avec boss dans travail bon Dieu dit c'est pour obéir avec lui. Elle dit c'est pour faire travail là bien. Il dit fais comme au Seigneur. Lorsque vous faites comme ça, l'Éternel a dit, parce que tu as fait cela, ma baou yon promotion. La paix, bon Dieu, avec vous. Bon Dieu, toujours besoin de raison pour le capable de bénir. Lorsque vous obéissez à voile. Moi, t'as remis que tout le monde qui l'a captendé matin, apprenne qu'on est loi, bon Dieu. Apprenne, obéis à loi, bon Dieu. Il est capable de paraître difficile, il est capable de paraître yon bagay que ou pas envie de faire. Ego pas permettre tout faire. Mais cependant, c'est pour dire, puisque l'Éternel m'a demandé m'a fait. Puisque l'Éternel dit, c'est ça le besoin pour me faire, m'a fait pour lui. Mais en pile bagaille qui connaît empêcher mon faire. Orgueil. Pour dire, non, moi-même, je ne peux pas faire rien. Lorsque bon Dieu parlait avec vous, tant de voiles, obéis. Israël t'est rebellé à l'Éternel. Israël t'est venu orgueilleux par rapport à l'Éternel. Eh bien, Israël t'est mouru dans le désert. Lorsque Israël pas obéi, li mourit dans le désert. Lorsque la vive dans l'incrédulité, li mourit dans le désert. Lorsque Israël pas essayé connaître loi bon Dieu et respecter, li mourit dans le désert. C'est peut-être ça, moi, t'as aimé faire comprendre. Pour capable expérimenter la bénédiction d'Abraham dans la vie, ou pral besoin d'abord apprendre à connaître loi bon Dieu, connaître principio. Deuxièmement, quoi dans ça bon Dieu dit, yo, faire confiance et ou pral besoin obéir à ça bon Dieu mandé pour faire. Que bon Dieu capable faire grâce pour toute promesse que le fait dans Deutéronome 28 capable partager. Que capable partager lorsque on va obéir, lorsque on va attendre, lorsque on va faire bon Dieu confiance.
Désir, bon Dieu, c'est pour que vous prospérez. Alors, nous allons prier dans un moment ça pour chaque monde qui a des difficultés pour yo ouais bénédiction, bon Dieu, manifester, matérialiser dans la vie. Nous allons prier que bon Dieu capable de permettre aux gens connaissance plus soin pile domaine qu'on pas de connaissance. Il y a des gens qui n'ont pas de connaissance sur ça qui pour faire que finance multiplier. Bon Dieu dit, mais comment pour finance multiplier? C'est pour apprendre à honorer avec bien. Dans les temps bibliques, c'est que le monde qui a baïdim, il a une obligation. Mais dans la nouvelle alliance, c'est un acte d'amour lié. Leur bail offrande, leur bail dîme, c'est parce qu'on remet mon Dieu qui fait ou même ou offrir quelque chose. Ou pas qu'on va toujours offrir un cadeau avec yon zamil, yon moun que le remet, et mais c'est seulement ça ou fait. Parce que mon Dieu pas besoin l'argent. Parce que s'il besoin bâti yon sanctuaire, li capable de prendre un moun qui gagne tout l'argent et faire le bâti. Li ka fait un moun, fait cadeau yon baptiste. Mais lorsque li ba opportunité, c'est pour vous même ou ka prouver amour envers Dieu. En nous camper sous pied, nous. Nous prenons le prier dans le moment ça pour nous dire, Seigneur, fais-nous grâce pour que toute bénédiction qui a été prononcée sur la vie, nous, capable de partager nous. Parce que désir, nous, ce n'est pas pour nous marcher dans la malédiction, mais c'est pour nous marcher dans la bénédiction. Est-ce que nous l'avons avec moi? Nous avons tout le monde levé, mais on en l'air. De déclarer Seigneur Jésus. Ou dit dans la parole. Christ nous a rachetés de la malédiction de la gloire. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je réclame ces bénédictions. Je réclame la bénédiction d'Abraham. Je déclare que je suis la tête et non la queue. Et Seigneur, accorde-moi la grâce d'obéir à tes lois. D'obéir à tes principes, d'obéir à tes préceptes, d'obéir à tes commandements pour que je puisse prospérer à tous égards. Seigneur Dieu, fais-moi grâce pour m'apprendre à obéir à vous-même. Fais-moi grâce pour m'apprendre à rejeter la rébellion, pour m'accepter, obéir à la loi. C'est capable difficile, mais fais-moi grâce pour m'obéir. Accordez-moi grâce pour me capable de faire confiance dans toutes circonstances pour moi manifestation de gloire dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.